Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Qui dit dimanche dit All Action comme d'habitude. Reste avec moi, on se retrouve juste après. J'espère que vous allez bien. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce pour me soutenir. Tu vas y arriver, Céline. On commence bien la vidéo. Bref. Tu as compris. Donc on se retrouve pour le haul action du dimanche, tu connais. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, sachant que j'ai pas mal de choses, j'ai énormément de choses, puisque pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, de toute façon, je fais mes achats plusieurs fois sur la semaine, et puis je vous montre après, sachant que là j'ai mes achats de samedi dernier, de mercredi et de jeudi je crois. Donc du coup voilà. J'ai racheté une poêle à crêpes parce que du coup la nôtre qu'on avait elle était abîmée, donc je voulais en racheter une. Et celles de Action elles sont très bien, sachant que ce n'est pas la marque Action, c'est la Tefal comme ça. Elle est à 9,98€, quelque chose comme ça. Elle fait un diamètre de 25. Elle est en revêtement titanium, non collante. Idéal pour tout ce qui est plaque, enfin elle passe sur tout feu, donc gaz, vous savez les plaques de cuisson etc. Désolée, j'ai du mal depuis ce matin, j'ai mal à la tête, il faut savoir qu'on est samedi. Je vous tourne la vidéo samedi matin pour dimanche, je me suis maquillée vraiment à l'arrache parce que après je sors ce soir, je vais au resto, donc du coup... Je me suis dit, je vais pas me badigeonner dès le matin, vu qu'après je vais me démaquiller. J'ai mis juste du bronzer et du blush que je vais retirer après, comme ça je me remaquille juste avant de sortir. Bref, rien à voir, mais cette poêle là, elle est vraiment au top pour 9 balles. Donc c'est du Tefal, tu connais, donc tu peux y aller les yeux fermés. Ensuite, j'avais acheté un câble comme ceci, il est plus dessus parce que je l'ai là-bas pour charger mes écouteurs. Donc c'est un câble de recharge USB. Vous avez un côté... vous savez, USB, et l'autre côté c'est un adaptateur iPhone. Alors je n'ai pas de iPhone, mais moi personnellement j'ai mes écouteurs de la marque Beats qui sont en, vous savez, en bout comme les iPhones. Donc du coup j'ai acheté ça, il fait 3 mètres, donc je me suis dit comme ça le câble est assez long aussi si j'en ai besoin pour autre chose. Je suis pas obligée, tu vois, de rester juste à côté. Il est à 2€ et des poussières, je crois 2,89€, quelque chose comme ça. Donc franchement ils valent vraiment le coup à Action. Ensuite, j'ai repris un pot de collagène, comme ça, je vous l'avais montré l'autre jour. Donc, c'est du collagène, tout simplement en poudre. Vous avez de la vitamine C à l'intérieur et il est enrichi en protéines. Donc, pour une scoop, pour celles qui ne savent pas ce que c'est une scoop, c'est une cuillère, une dose. Donc, pour une dose par jour de 10 grammes, tu as quand même 9 grammes de protéines. Donc, c'est pas mal pour les personnes qui font du sport ou même, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je suis désolée s'il y a du bruit, c'est parce que j'ai mes fenêtres ouvertes qui donnent chez les voix... Enfin, sur l'extérieur des voisins parce qu'il fait beaucoup trop chaud et j'ai pas envie d'allumer la clim dès le matin, donc je me suis dit je laisse quand même ouvert, tant pis. Mais voilà, je vous en avais parlé la dernière fois, le collagène c'est très bon aussi pour les articulations, pour la peau, pour l'élasticité de la peau, pour la pousse des cheveux, pour les ongles, ça sert vraiment à plein de choses. Je vous invite à aller sur Google, à voir les bienfaits du collagène, et franchement là ça vaut vraiment le coup parce qu'il est à 9,95€, donc on va dire 10€ le pot de 300 grammes, comparé aux parapharmacies etc, ça vaut vraiment le coup. J'ai repris les petites soucoupes comme ça, tu connais, c'est le truc que je prends très régulièrement, donc c'est les petits bonbons soucoupes comme ça, tout simplement, qui sont à 89 centimes, je crois, le paquet. Défoncez le paquet, ne fais pas attention, parce que j'ai voulu l'ouvrir pour en prendre un et j'ai tout arraché. J'ai pris les petits cakes Milka comme ça, au choco, ceux-là, franchement, je les adore, je suis capable de bouffer tout le paquet en 2 minutes, ça c'est un truc, j'en raffole. Donc vous en avez 5, je crois, à l'intérieur, ils sont à 1,89€. J'ai pris deux Red Bull comme ça, je vous avais déjà montré la dernière fois, on a kiffé le goût, donc je me suis dit allez hop je les prends. J'avoue qu'elles sont quand même à 1€ et quelques parce que bah, c'est la marque Red Bull, mais à Carrefour elles sont un petit peu plus chères que ça. Alors c'est pas ouf hein, mais tu sais des fois il suffit que t'aies 20-30 centimes de plus, tu peux les économiser sur tel produit, à la fin tu te retrouves à 5€, 6€ d'économiser, donc c'est pas négligeable. Vous avez goût pastèque en nouveauté chez Action et vous avez le goût fruit du dragon, donc je les ai prises la dernière fois. On a kiffé, donc j'en ai repris. J'ai repris le parfum pour linge comme ça. Alors, je crois que j'en avais pris plus que ça. Oui, j'en ai repris 3.
parce qu'ils les ont remis en rayon. Donc, les ayant testés, le parfum, il est... Enfin, c'est un parfum pour linge. Ça sent tellement bon. Vous connaissez mon amour de psychopathe pour le musc blanc. Donc, c'est les petits flacons comme ça, à 2,99€. À l'intérieur, vous avez 150 ml, mais sachez qu'il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne pour que ça sente. Moi, quand je fais ma lessive... Je mets ma capsule de lessive dans la machine. Dans le bac, je mets un bouchon de parfum pour linge. Vous savez, celui de chez Action, j'en ai un ici. Le parfum pour linge de la marque Sandless. Et je mets une dizaine, quinzaine de gouttes de ça. Et franchement, le linge, il sent tellement bon. Après, petite astuce aussi, ce que vous pouvez faire, c'est en mettre quelques gouttes dans un pulvérisateur. Vous complétez avec de l'eau. Tu peux parfumer ta maison style Febreze avec. Tu peux aussi le mettre dans ton aspirateur laveur si tu as un style de Tineco laveur de sol. Tu peux en mettre quelques gouttes dans le réservoir, comme ça, ça parfume le sol au même temps que tu le laves. Ça, franchement, c'est pépite, les filles, c'est 2,99€ le flacon. Donc, j'en ai déjà 3, j'en ai repris encore 3. Et je pense qu'avant qu'ils disparaissent, je vais encore refaire du stock, parce que ça, c'est juste une pépite. Ces biscuits que je vous ai montrés la dernière fois, donc c'est ceci. Vous en avez 5 à l'intérieur, donc c'est des petits biscuits, ça se présente comme ça. Je ne vais pas l'ouvrir pour vous le montrer, parce qu'il va sécher sinon. Mais vous avez 5 paquets comme ça à l'intérieur. Ce sont des biscuits hyper moelleux, vous savez, type génoise. Et au milieu, vous avez une espèce de petite crème blanche. Mais moi, je kiffe surtout le fait de la génoise hyper moelleuse. C'est juste une tuerie. Et je crois que le paquet, il est à 1,39€. J'ai pris ceci en nouveauté. C'est à 76 centimes ou 79 centimes, je crois, de la marque Alpina. En fait, vous avez le petit support avec la petite éponge qui va avec. Je vais essayer de le détacher. Pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, l'éponge, elle est... Ah non, c'est bon, elle n'est pas attachée dessus. Donc, vous avez l'éponge comme ça, tout simplement. Après, tu peux mettre tout ce que tu veux comme éponge. Et petite astuce, ce que vous pouvez faire aussi pour les personnes qui aiment bien utiliser des savonnettes. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment les savonnettes. Nous, par exemple, ici, on achète du savon de Marseille. Il n'y a pas mieux pour la peau. Du savon de Marseille. Et c'est vrai que quand tu le poses sur une étagère ou quoi dans la douche, ça a tendance à devenir, tu sais, tout gluant et tout. Ce que tu peux faire, en fait, parce que ça, ça se détache, c'est pour accrocher autour d'un robinet ou autour d'une étagère. Donc, ce que tu peux faire, c'est l'accrocher sur ta petite étagère de douche comme ça et tu viens mettre ta savonnette dedans parce que du coup comme c'est ouvert ici ça va tu sais évacuer l'eau et couler directement. L'accrocher après, j'ai repris des petits tubes comme ça tout simplement. Je me suis dit c'est toujours ça de prix parce que des fois quand les enfants ont juste un petit creux ou même nous des fois un midi quand on a la flemme on se fait juste une petite salade ou un truc comme ça. Tu as les petites espèces de yum comme ça. Bon, c'est une autre marque, c'est Nissim. Donc, c'est des ramen tout simplement taille au poulet. Comme ceci, je crois que c'est 49 centimes le paquet, un truc comme ça. Ça, c'est un truc que je surkiffe depuis gamine. Donc, du coup, j'avais trop envie de me reprendre un paquet. C'est des Smarties. Par contre, il y a écrit autre chose. Donc, en fait, je crois que ce n'est pas les vrais. Pourtant, il y a écrit Nestlé. C'est ça qui m'étonne. Mais bref, c'est un grand tube comme ça de Smarties. Vous avez combien de grammes? 120 grammes. Et voilà, j'adore les Smarties. C'est un truc que je kiffe. Tu vois le grand tube comme ça? Parce que regarde ma main, regarde le tube. C'est les très grands. Je vais le déglinguer en une soirée devant Netflix. Donc voilà, tout simplement, j'adore ça. Ça, c'est une petite nouveauté. Je vous le montrerai à la fin. J'ai repris des petits bonbons comme ça, tu sais, les grandes languettes avec le petit sucre dessus pour les enfants parce qu'ils kiffent. Moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, le soir, je leur donne un petit bonbon. Ils aiment bien avoir la petite sucrerie quand ils sont posés devant leur téléphone le soir. Après, je leur donne pas ça juste avant qu'ils dorment. Ne t'inquiète pas, commence pas tes leçons de morale, Ginette. C'est vegan, c'est halal pour les personnes que ça peut intéresser. Je crois que c'est même pas 1€ le paquet. J'ai repris des barres comme ceci, faut que je les mette au frigo parce qu'elles ont pris un coup dans la gueule. Hein. Des barres comme ceci, protéinées, que vous retrouvez au rayon sport de la marque Grenade. Elles sont à 99 centimes. Je vais pas m'éterniser dessus parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je vous dis, j'ai énormément de choses. Ça, c'est mes achats d'hier. J'ai repris des lingettes comme ça, les Teddy Care. Vous en avez 90 à l'intérieur et j'ai pris celle-ci tout simplement. Donc, c'est des lingettes comme ça. Moi, mon fils
est un maniaque au WC, je vais pas te faire un dessin. Donc en fait, il n'aime pas s'essuyer juste avec du papier, il aime bien s'essuyer d'abord avec le papier, ensuite avec ça. Et ne t'inquiète pas pour l'écologie, il les met à la poubelle, il ne les met pas dans les toilettes, je sais, ça bouche les toilettes, etc. Parce que des fois, il y en a qui me font des leçons de morale en commentaire, ils ont cru que j'avais 5 ans et que j'étais née hier et qu'en fait, fallait m'apprendre la vie. C'est pas parce que t'as 10 ans de plus que moi, que tu t'y connais mieux que moi, que tu sais tout mieux que moi. À un moment donné, faut arrêter un petit peu de se croire supérieur aux autres. Donc, petite parenthèse, il les met à la poubelle, etc. Mais voilà, il aime bien avoir ça pour son confort. J'ai pris deux lots de chaussettes, toujours pour le jeune homme. J'ai pris des kappas, vous avez trois paires, elles sont à 2,69€ je crois. Du 39-42, vous avez aussi du 43 au 46. Celles-ci, franchement, bah, c'est la marque kappa, elles sont très bien, elles sont épaisses, elles font l'affaire, c'est nickel. Et ensuite, je lui ai pris aussi de la marque Pairs Footwear. En 100% coton, je crois, en coton recyclé. Vous avez 3 paires, j'ai pris pareil du 39 au 42. Et celles-ci, par contre, elles sont un peu plus chères. Je crois qu'elles sont à 2,99€, quelque chose comme ça, les 3 paires. Et celles-ci, c'est, vous savez, le style de chaussettes que vous mettez avec les chaussures de ville. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, le jeune homme en question rentre au lycée cette année et il est en gestion administrative, donc il a le jeudi et le vendredi où il doit s'habiller genre en mode bureaucrate. Hein. Donc du coup, il a des chaussures de ville et je me suis dit que ça serait plus pratique les chaussettes comme ça plutôt que, tu sais, les grosses chaussettes pour mettre avec les baskets. Ça, je vous montre à la fin parce que j'ai trouvé quelques nouveautés qui sont pas mal du tout, mais je préfère vous les montrer à la fin. Ensuite, j'ai repris une petite serviette comme ça pour les cheveux. Elles sont à 99 centimes, je crois. Y a des nouvelles, tu sais, avec un gros strass ici pour accrocher et tout. Même moi qui aime bien, tu sais, les trucs qui sont tout mignons, etc. Mais je me suis dit, le truc, il va sauter vite fait, bien fait. Franchement, ça sert à rien du tout. Donc, j'ai pris juste la basique parce que, en fait, je crois que je tire tellement dessus que souvent, j'ai le bouton qui saute. Donc, voilà, j'en ai déjà deux. Le bouton a sauté, je suis obligée de bidouiller, etc. Pour 99 centimes, j'en ai repris. J'ai repris de la marque Super Fine, vous savez, le drain gel comme ça, c'est du déboucheur tout simplement style desktop. Celui-ci, il est très bien, 1,99€ je crois, ou quelque chose comme ça. Il est vraiment pas cher, vous avez 1 litre. Je le répète encore et encore, les écolos, je m'en fous de votre avis, chacun fait ce qu'il veut, mais moi ce que j'aime bien, c'est que c'est conseillé même par les personnes qui travaillent dans le bâtiment, etc. Je sais de quoi je parle à ce niveau là parce que mon père est un professionnel dans le bâtiment. C'est conseillé pour vos canalisations, pour pas les abîmer, pour pas qu'il y ait de reste, etc. à l'intérieur. C'est conseillé au moins une fois par mois, vous versez du desktop ou quelque chose de similaire dans vos vos canalisations, c'est-à-dire évier, lavabo, dans les WC, dans les douches, les baignoires, etc. Vous laissez poser 30 minutes et ensuite tu viens faire couler de l'eau. En fait, ça va faire en sorte qu'il n'y ait pas de résidus qui restent dans la tuyauterie et qui finissent par boucher un jour. Ça, c'est une petite pépite que je vous montre à la fin aussi. Là, j'ai pris l'adoucissant, pas l'adoucissant, pardon, le parfum pour linge de la marque Endless Scent. Donc là, j'ai pris le bleu-violet, il est bleu-violet, ouais, il est entre deux. Celui-ci, je ne l'ai jamais pris, c'est le Berry Enver. Berry Enver, je ne l'ai jamais testé, d'habitude, je prends le, tu sais, le rose-orangé. Et là, il n'y avait que celui-là, donc je me suis dit, allez, je le prends pour voir. Il sent bon, c'est pas mal, écoutez. Il me fait penser un petit peu à des parfums, je saurais pas lequel vous dire. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, les styles de parfums Thierry Mugler et tout ça. Il a une... Alors attention, je dis pas que c'est un dupe, hein, commencez pas. Mais il me rappelle un petit peu les parfums, tu sais, Angel de Thierry Mugler, les petits parfums comme ça. Donc voilà, cette gamme-là, vous savez très bien que je la surkiffe. Ensuite, j'ai repris des sacs poubelles comme ça. Là, j'ai pris des très grands. Ces derniers temps, je prenais, vous savez, les petits au citron et à la lavande pour la poubelle. Puisque comme c'est l'été, parce que je vois partout, d'ailleurs, petite parenthèse, je vois partout en ce moment, dans les autres régions, il y a des 18 degrés, des 14 degrés. Pardon, vivons-nous dans le même pays? Parce que moi, regarde comment je suis. Toutes les fenêtres ouvertes. Et là, une fois que j'ai fini de tourner ma vidéo, je vais allumer ma clim parce qu'on meurt de chaud encore. Donc quand c'est l'été, j'achète des petits sacs pour pas avoir la poubelle qui reste trop longtemps et que les odeurs se développent. Donc du coup là, j'ai pris des grands sacs parce que dans la chambre des enfants, j'ai pas mal de choses à débarrasser cet été. Je vous avoue que j'étais tellement débordée de taf que j'ai même pas, vous savez, dégagé les affaires scolaires de l'année dernière, c'est-à-dire les restants de cahiers qui ont été utilisés et tout ça, parce que bah, j'ai le...
Le grand, comme vous le savez, qui est déjà au lycée, il passe en deuxième année. Et le deuxième qui passe là cette année au lycée. Donc je vais bazarder toutes les affaires du collège qui ont déjà servi, etc. Donc je voulais des grands sacs et j'ai pris ceux-là. C'est des sacs de 100 litres avec les liens. Vous en avez 10. Et ils sont, je crois, 1,69€, quelque chose comme ça. Des canettes de coca, comme ça, tout simplement pour les enfants, parce qu'ils aiment bien, de temps en temps, se boire un petit coca frais. Je crois que j'en avais pris 3, si je dis pas de bêtises. Donc, je les mets au frigo. Et puis, quand ils veulent une petite boisson fraîche, de temps en temps, ils peuvent se prendre un petit coca, tout simplement. J'ai pris ceci, alors je sais pas si ça va tenir sur le temps, mais vous savez que votre super copine est une grosse pigeonne et je me suis dit, bah, je vais tester pour voir si ça tient plus que la MERDE que j'ai acheté l'autre fois pour parfumer la salle de bain et les WC. Donc j'ai vu les petites billes comme ça, tu sais c'est, regarde, tu sais c'est que des petites billes dedans qui sont parfumées et tu as le petit liquide pour que bah, justement les billes absorbent ce liquide. Tu as plein de parfums différents, pour être honnête avec toi, tu sais que moi je ne suis pas un animal, je le répète encore une fois, j'ai une éducation et je n'ouvre pas les choses en magasin à part si c'est des bouchons comme ça, c'est-à-dire que je n'ai pas abîmé l'emballage. Quelqu'un qui passe derrière, il n'y a rien qui a été défait ou quoi que ce soit. Je ne trempe pas mes doigts dedans, je fais rien de déplacé. Donc je l'ai ouvert comme ça. Je les ai tous sentis et franchement, celui qui m'inspirait le plus, c'était le bleu comme ça. C'est senteur air fraîche. Donc ça sent, tu sais, tout ce qui est propre, etc. Donc écoute, quand il est comme ça, il sent bon. Maintenant, à voir dans la salle de bain. Et en fait, il faut juste que tu viennes enlever le petit capuchon blanc ici et l'odeur va sortir par là. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé dans mes produits terminés de toute façon. Ensuite, j'ai repris le produit comme ça, tu sais, pour nettoyer, c'est du produit anti-calcaire, pour nettoyer tout ce qui est cafetière, bouilloire, etc. Moi, je le prends à Action, il est très bien, il fait le taf, je crois qu'il est 1,99€. Et moi, je prends toujours celui-ci. Je t'avoue que je le mets pas entièrement parce que ça fait beaucoup trop. Moi, ce que je fais, c'est que je mets à peu près l'équivalent d'un quart. De toute façon, c'est les flèches qui sont dessinées. Je crois que c'est ça, les doses. Je mets à peu près un quart. Je viens de voir qu'il y avait les flèches parce que moi, je le faisais comme ça de moi-même. Je mets un quart, par exemple, dans ma cafetière. Je comble avec de l'eau. Je fais couler plusieurs fois avec le produit. Et ensuite, tu mets de l'eau claire pour rincer. Tu refais couler plusieurs fois. Et franchement, je me sers que de ça. C'est vraiment nickel. Parce que quand tu vois le prix de ces produits-là dans les magasins, tu te dis, non, mais ils ont pété un câble. Donc, voilà pour ça. Je vérifie si j'ai pas autre chose. Ça, je vais l'enlever de là parce que sinon, je vais le jeter. Et j'ai trouvé des petites nouveautés. Alors, côté make-up, j'ai trouvé en nouveauté le col pencil comme ça. Je sais pas si c'est une nouveauté ou s'il a été repackagé parce que je connais les cols normales. Il y avait aussi le col comme ça qui se tourne, mais il n'y avait pas celui avec le petit tampon sur l'embout. Donc je me suis dit, allez hop, je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Donc il se présente comme ça, tout simplement. Il est comme ceci et il vient sortir, tu vois, quand tu tournes ici. Faites pas attention au bruit, c'est qu'au-dessus de chez moi, j'ai une petite mamie qui passe sa vie à déplacer les meubles, je n'ai jamais compris pourquoi. Bref, ici, tu as le petit tampon, comme ça, tu vois, pour venir dégrader un petit peu ou pour te faire, tu sais, un effet un petit peu fumé. Il est à 1€ et des poussières, donc voilà, je me suis dit, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Petite nouveauté aussi, j'ai pris ceci. Donc, on a la version Freeze, c'est de la marque This Is It. Le No Freeze Sérum, donc c'est un sérum anti-frisottis, tu en mets une pointe sur ta main, tu viens malaxer et ensuite tu le passes comme ça sur tes cheveux, donc c'est pour éviter les frisottis tout simplement. On a une contenance de 130 ml, c'est un format pompe comme ça et ils sont à 1,79€ il me semble. Donc je te le remontre au cas où si tu veux faire une capture écran pour le retrouver en magasin. Et j'ai trouvé également celui-ci, donc c'est l'autre version. Par contre, celui-ci, c'est pour... alors, ils vous disent long. Donc, c'est pour les cheveux longs à la base. C'est un sérum hydratant. Pour celui-ci, c'est un Split Ends Serum Protect et Répare. Donc, c'est un réparateur et protecteur. Toujours pareil, dans le même concept. T'en mets une petite noisette ici. Tu viens malaxer et ensuite, tu te le mets sur les longueurs pour bah, les hydrater un petit peu. Donc, je testerai ça. Pareil, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et petite nouveauté aussi de la marque Elisa Jones. Vous savez que j'aime bien cette marque-là, mis à part les bases que j'avais pas aimées, les primers. Mais j'aime beaucoup cette marque-là parce qu'ils nous font des trucs pas mal. Et regardez-moi juste la beauté. Je trouve que c'est trop satisfaisant. Regardez, en fait, à l'intérieur, vous avez plein de perles d'acide hyaluronique. Donc, en fait, c'est de la marque Elisa Jones. C'est un micro-capsule sérum hydratant et repulpant.
Vous avez aussi la version verte qui est pour les peaux à imperfection, c'est le Cica. Donc tout ce qui est à base de Cica, c'est pour tout ce qui est imperfection, peau grasse, les personnes qui ont tendance à avoir des boutons sur la peau, etc. Moi j'ai pris celui à l'acide hyaluronique. Et en fait à l'intérieur, vous avez plein de petites perles comme ça qui sont des perles d'acide hyaluronique. Et quand tu vas venir faire ça, je vais pas le faire parce que j'ai rien pour me nettoyer après à côté. Mais quand tu vas faire ça, en fait le tuyau est assez gros à l'intérieur. Quand tu vas venir mettre une pompe, en fait la bille va sortir avec du gel, mais la bille va éclater et du coup ça va mettre l'acide hyaluronique qu'il y a dans la bille sur ta peau et tu viens l'appliquer comme ça tout simplement. Pareil, je ferai les tests pendant plusieurs jours, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce haul. Je te remercie d'avoir regardé. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir, je sais que je me répète à chaque fois, mais si tu tiens à me soutenir, n'hésite pas, un pouce vers le haut, ça prend un millième de microseconde. Ça prend vraiment rien du tout comme temps, c'est juste clic, c'est fini. Un pouce pour me soutenir. N'hésite pas également à partager mes vidéos autour de toi, ça me soutient aussi puisque du coup ça me fait connaître, ça ramène des abonnés en plus, etc. Donc n'hésite pas, c'est gratuit et en plus ça me fait plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour avoir les notifications de toutes mes vidéos qui vont sortir prochainement. N'hésite pas aussi donc à me mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner si tu n'es pas abonné parce que je vois très souvent sur les... vous savez, moi j'ai accès aux statistiques. Et je vois très souvent que sur les stats, par exemple 100% de vues, je vais avoir 40% d'abonnés et 60% de non-abonnés. Vous attendez quoi mes chéris? Vous attendez que je vous prenne la main et que je fasse tac, abonne-toi? Donc abonne-toi, fais-toi plaisir puisque c'est gratuit. Et vu que de nos jours, il n'y a plus rien qui est gratuit, au moins tu seras content d'avoir cliqué sur le bouton s'abonner, c'est l'inoff, gratuitement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!